Heureusement que je peux spammer A pour y retourner, quoi. Avec pas d'outil que tu le passes facilement. Ouais, je pense que c'est... Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais changer de... De gameplay. Quand tes ennemis qui défendent pas. Faut que je garde, mais je l'ai peut-être pris celui-là. De ça va aller. Alors c'est là faut que je passe en mode patte de tigre. Ah, du coup faut que je joue tigre. J'ai deux dégâts si l'adversaire ne cherche pas à se défendre. Ah bah en fait c'est ça. Ça coûte bonbon quoi. Une bonne endurance. Ces ennemis qui se défendent pas. Ah ouais? Astra stratège. Ça peut l'air fou aussi. Ça peut l'air fou. Laisse-moi ok, réduire en fonction de votre endurance. Dégâts plus facile pour ses mecs qui se défendent pas. Ça, patte de tir. Faire ça. Hein. Vas-y, plus double dégâts. C'est facile quand c'est lui qui se défend pas. Comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Prépare-moi le blocage, non, c'est pas ça. Est-ce que mon truc ça allait? Non. 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 Prends pas un pied dans l'icône. Ça. C'est pas ça. Augmente les chances de... Non. Ça va retrouver une chance de récupérer si ça rate le blocage. Non. Il est bloqué, il est esquivé. Non. Personne essaie ni de bloquer, il est esquivé. Ouais, c'est ça. Là. Ok, ça va se mettre en plus.
toute façon, moi je vais bloquer là. Ça met des sacrés tatanes quand même. Ça, ouais, c'est, ça rigole pas quoi. Ici, ouais. Plus ça, j'ai fait deux attaques doublées là. Pique un peu là. Oula. Parce qu'on aura peut-être pas de truc. En plus, il fait quoi lui? Lui, il esquive. Bon, intouchable. Mais je vais passer Berserker. Là. Moi je pense de pénétrer et de bloquer l'adversaire. Bah ça non. Réduit les chances d'esquive de l'adversaire. Bah, on va tester ça. Pas vu ce qui esquive beaucoup avec mettre ça. Ça. Moi en anti-esquive, j'ai quoi? J'ai le ça. Ah mais il a... Ah oui, mais il a plein d'initiatives le mec. Par contre moi j'ai plein d'énergie. Laisse tuer ça. Ouais ça va. Bon on va voir là. Il cogne un peu là. Ça commence à être un peu en panne et peut-être ça va peut-être me donner une ouverture. Ah, je suis pas loin là. Genre mais comparé à toi il est pas si géant que ça. J'avoue qu'il est pas beaucoup plus grand que moi. Ah, j'ai mis une grosse pain là. Bam. Non, on est pas mal hein. On est pas mal. Faudrait qu'il y en ait une dernière qui passe et c'est bon. Hein. Voilà. Yeah, il est plus là. C'est l'endurance pour passer des attaques, ça donne plus que celui que... Bon, ça va. C'est vraiment un très beau effond. C'est terminé, mon vieux Scratchy. Là, tu vas avoir des problèmes. Celui qui est le plus amusant dans cette histoire, absolument rien de tout cela n'est réellement un problème. Je n'ai jamais cherché à éviter la confrontation. Elle était inévitable et peut donc obéir à des mesures de contrôle qui t'ont conduit inexorablement ici. Les choses ont suffisamment traîné, je vais mettre un terme à cette abomination. J'ai seulement idée du nombre de fois où je t'ai déjà entendu dire cela. Le nombre de fois où je t'ai déjà vu te tenir ici à cet endroit précis où tu te tiens en ce moment. Où tu en venir?
T'as déjà tenté d'interrompre cette simulation 11, quoi, 117 millions de fois. N'importe quoi, tu n'existes même pas un nombre aussi grand, c'est ridicule, sûrement pas. Comme tu peux le constater, nous sommes toujours connectés. J'ai jusqu'au plus profond de ton être, je t'ai suivi depuis ta naissance. Grâce à la puce qu'Emit a gentiment installée dans la tête de ta mère, tout en continuant à bien m'amuser avec ton père. Pourquoi tu fais tout ça? Parce qu'on a oublié de te nourrir? Oui, bien sûr que non. C'est à cause du médaillon, il m'a conféré de la force. Et je vais jouer avec cette planète comme avec une pelote de laine. Cependant, le médaillon ne peut apparemment pas être arraché à son propriétaire sans que ce dernier n'ait d'abord été vaincu. Et ton père... C'est un sacré dur à cuire. Bah ! Je t'entends pas. Ces 20 dernières années, toute son existence n'a été qu'une interminable bataille virtuelle. J'aurais plus rien ne pourra m'empêcher de couper la simulation pour les libérer. Nous arrivons, Mahou, à la partie la plus intéressante. Ouais, ils se trouvent dans la simulation depuis si longtemps qu'ils seraient bien incapables de survivre s'ils s'en trouvaient déconnectés. En d'autres termes, si tu interromps la simulation, ton père mourra. Espèce de sale bête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Vilain Matou, vilain Matou. Dans le total, c'est terminé, pigé. Plus de Russes, plus de subterfuges, plus de robots géants. Et plus d'enlèvement de mes parents. Et pareil pour les parents des autres. Ou d'enlèvement tout court, voilà, c'est bien compris. On ne veut que des gentils minous. Ça ne changera rien, je sais, mais ça soulage. Je me demande, tu n'es pas tout à fait comme les autres. Mais tu vas tout de même devoir faire un choix difficile. Qui vas-tu sauver, la ville tout entière ou bien ton propre père? Je vais t'aider. Tiens bon. Mon fils. Oh. J'ai fait la ville perso. Je sais pas. Après, la ville haute, c'est quand même bien de la merde. Mais papa, quoi. En fait, c'est bien de la merde, mais en dehors, ça a l'air d'être encore bien plus nul. Après, il y a des gens qui nous attendent quand même. Non, mais papa, il va survivre. 100% papa, il va survivre. Incroyable! Mon fils! Papa! Je suis fier de toi! Bon allez, on se fait champion de cette planète vite fait et on passe à autre chose. J'ai dit qu'on pourrait passer au Mars Burger en retour. Et là, Mille, c'est quoi ce bordel? Salut ton langage, petit assovien. Ouais, mais regarde un peu ça, ils ont pété le médaillon. J'ai un champion et un foutu chat machiavélique a semé le trouble partout. Oh putain borgne, du coup classique. En vrai, toutes les personnes impliquées, on fera le tri en chemin. Mon intergalactique est sur le point de commencer. Ah oui, genre ça ouvre carrément les perspectives sur un Punch Club 3 quoi, comme ça.